Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organisent deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtement, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, Marie-Esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, 55 bis Avenue Galine, 69100 Villeurbanne. Prendre tram Terminus 4 ou Terminus 1, gare par Dieu direction Charpennes, arrêt Condorcet. Contact 0033 78 08 60 057. 0033 76 24 02 484. Salve l'Esprit de toute merveille, tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Amen. Les enfants du royaume. C'est sous cela que le diable nous jalouse. C'est une grâce. C'est une grâce d'être sauvé. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est parce que nous avons cru. Il nous a fait cette grâce. Nous croyons en lui. Ce n'est pas par les œuvres. Ton argent ne peut pas te sauver. Amen. Il y a des milliardaires qui n'ont pas le salut que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'ils prétendent être heureux. Je ne crois pas qu'ils soient vraiment heureux. Parce que la véritable paix, c'est Dieu qui la donne. Amen. Parce que Jésus-Christ est le prince des pères. Amen. Et nous avons, non seulement ça, il nous bénit sur cette terre et nous avons le salut éternel. Amen. J'ai une soeur qui me disait, je souffre trop, j'ai envie de me donner la mort. Il faut que je meure. J'ai dit, tu iras tout droit en enfer. Tu meurs, tu te suicides, mais ça sera encore grave. Tu prétends souffrir. La vie que tu as en toi ne t'appartient pas. Si tu oses ôter cette vie, tu iras. C'est un crime. Les gens pensent que la solution, c'est de se donner la mort. Vous ne pouvez pas vous donner la mort parce que la vie que vous avez ne vous appartient pas. Il est le seul à vous prendre cette vie. Vous n'êtes pas maître de votre vie. Si vous venez mettre fin à cette vie, vous irez tout droit en enfer. J'ai dit à la sœur, tu vas souffrir et ça sera grave pour toi. Elle dit non, je vais mourir pour aller trouver Dieu. Elle dit, tu ne trouveras pas Dieu. Tu vas aller embrasser Satan. Tu penses que la vie que tu as, il faut croire que les épreuves que tu es en train de vivre passeront. C'est ça qui est plus important. Les gens, ils ont peur d'être éprouvés. Dans les moments d'épreuve, ils ne peuvent plus compter sur Dieu. Attends. Dieu ne peut pas bénir
C'est-à-dire, si Dieu veut te bénir, il va forcément te trouver. Amen. Jésus a connu l'atrocité la plus dangereuse au monde. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. À la croix, il a été torturé, Jésus. Comment quelqu'un qui meurt, il vidait de son sang. Depuis la cour de Ponce-Pilate, vidé de son temps, ils l'ont fouetté 40 coups de verge. Dans la loi mosaïque, ce n'est pas normal. Parce que 40 coups de verge, la verge, il y a des ameçons sous comme des crochets. Dès qu'on te chicote, quand tu en aide, ça déchire ta chair. Il a eu des 40 coups de verge. Ok? Une couronne d'épines. Il a porté la croix. Au mont Golgotha, on le crucifie. On le crucifie. Et Jésus meurt à petit feu. Vous comprenez? Mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas? J'ai dit à la sœur, pourquoi tu ne veux pas souffrir? Et tu penses que la souffrance, non, tu souffres trop. Mais attends. Et que tu veux t'ôter la vie. Mais attends, c'est que tu n'as jamais cru en Dieu. Ok. Tu n'as jamais cru en Dieu. La Bible dit, recommande ton soin à l'Éternel. Amen. Mets en lui ta confiance. Il agira. Amen. Une étape, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Dieu. Je te fais confiance, malgré tout ce qu'il y a. Qui n'est pas éprouvé? Qui? Tu es un être humain, tu seras éprouvé. Dans ce monde, tu seras éprouvé. Mais faire confiance à Dieu, quelles que soient les adversités, c'est ce qu'il disait hier dans l'enseignement. Hein? C'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Quand je suis avec toi, pour te délivrer. Alors, tu es chrétien, tu seras éprouvé. Pourquoi Jésus dit de prendre la croix? C'est symbole de souffrance. C'est pas aller fabriquer une croix bizarre. Tu as mis au cou, on dit, ah, voici la croix de Jésus. Tu mens. Croix de souffrance. Il dit, celui qui même doit se charger tous les jours de sa croix. Tous les jours de sa croix. Pourquoi il le dit? Parce que ça fait partie de la chrétienté, de la marche avec Christ. La souffrance fait partie. Mais quand Dieu te fait confronter à une souffrance, c'est un miracle déguisé. Et c'est une formation. Amen. Dieu, il n'est pas celui-là méchant, mais il te fait passer par les épreuves pour voir si tu peux compter sur lui. Amen. Ah, je veux mourir. J'ai dit, vas-y. J'ai tout dit, hein. Va. Quand tu finis de m'écouter, va te tuer. Va, je t'encourage, va. Mais Satan va t'embrasser pour dire, bon arrivé. Va dans le feu. Et tu resteras éternellement dans le feu. Tu penses que tu es déçu parce qu'un homme t'a déçu. Mais Dieu t'a pris pas de décision. Pourquoi compter sur les hommes? Amen. Pourquoi tu comptes sur les hommes? Les gens vont te décevoir. Jésus t'a pas déçu. Voilà, Jésus. Jésus-Christ a dit, il a dit, il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, il voit ce qui devait arriver dans le jardin de Gethsemane. Mais la chose qui fait plus mal, c'est la trahison. Il est trahi par son propre disciple. Ok. Donc déjà, le cœur est touché. Il est trahi par son propre disciple. Trahi. Ok. Et donc, il regarde, il y a la croix. Attends, quand on a pris, moi, quand on enseignait la christologie à l'école, je pleurais tout le temps. Parce que ce qu'on nous montre, ce qu'on nous dit, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a vécu. Ça n'a rien à voir. Parce que Jésus-Christ a été mis nu à la croix. Qu'il me respecte, je le respecte, qu'il m'excuse, mais on a vu tout, sa nudité. Nu comme ver de terre à la croix. Jésus-Christ n'était pas habillé à la croix. Non, 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 non. Il a été traité comme un vulgaire. Il a été mis nu à la croix. On l'a habillé là. Ça, c'est le film. Mais il a été mis nu. Nu comme ver de terre. C'est ce qu'on appelle l'ignominie, la plus grande des rondes. Jésus a connu ça. Il n'y a pas plus ronde, grande ronde que ça. Vous comprenez? Il n'y a pas plus ronde que ça. Pourquoi tu as rien, non? Je suis humilié. Mais Jésus a été humilié. Attends, il n'y a pas plus humiliation que ça. On te voit nu, mais c'est fini, ou bien? Dans la rue, on te déshabille, on te met nu, comme vers de terre. On voit tout sur toi. C'est que tu caches là, tout le monde voit. Un peu de réel. C'est quelle dignité? On a rien compris. Jésus a connu ça. Non seulement ça, son sang a coulé. Et mais, nu à la croix, le regard. Il regarde les gens, crucifiés, ceux qu'il a aidés. Il a vécu ça.
Et le voici à la droite du Père. Amen. Les gens ont peur de souffrir. Ça fait partie de la marche chrétienne. C'est cela que vous voyez, Israël est une histoire. L'histoire d'Israël, c'est ça. Pour avoir une histoire, Dieu a été puré par les épreuves. Alléluia. Amen. Nous, on est dans l'or. Quand vous voyez l'or, vous allez jeter. Vous savez que vous n'avez jamais vu l'or. Hein? Le jour où vous voyez l'or, vous allez confondre ça avec des pierres rouges, vous allez jeter. Mais amenez ça au feu. J'ai envoyé des gens aller. Quand on a purifié l'or, les gens disent, c'est qu'on voyait qu'on a rien. C'est rien, les gars. Il dit, mais c'est comme ça. Or, l'état, le feu, ça, c'est comme ça. Quand Dieu veut te lever, il va forcément, il aura des moments de pleurer. Et ce n'est pas facile. Amen. Si l'or allait pleurer, elle allait pleurer. C'est le feu. Mais ça n'est pas dit que Dieu t'a abandonné. Amen. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Amen. Les gens ne croient pas en Dieu. Ils le suivent sans le connaître. C'est ça le problème. Vous suivez Jésus sans le connaître. Si la rue d'Emmaüs, il marchait avec Jésus, il ne savait pas que c'était lui. Amen. Or, si tu le connais, tu sais qui il est, mais tu te calmes face à la tempête. Il aura toujours une tempête dans ta vie. Il sera toujours prêt à apaiser cette tempête. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es effrayé quand tu vis des choses terribles? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait lui faire confiance. Et il vient à la soeur, elle a commencé à s'apaiser. Elle dit, mais c'est une ruse du diable de parler à ton oreille pour dire, va te tuer. Lui, il veut te prendre vite, vite. Vous n'êtes pas que non, tu peux. Lui, t'envie. Tu as le royaume des cieux. Amen. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il t'en veut, il t'en vit même. Attends, il faut qu'elle vienne ici un peu. Non, il te dit non, la solution, c'est de te tuer. Et puis comme ça, tu vas aller chez bon Dieu. Les gadis sont des blagues. On dit le jour où tu tues, Dieu va venir te donner champagne. Puis sept filles vierges. Les Arabes aiment tellement les filles vierges. Sept filles vierges, tu vas les embrasser. Sept filles, le Seigneur dit, va chez une chambre. Allez, les sept filles vierges. Mais ils sont pressés. Voilà attaquer les sept filles vierges. C'est mal connaître le diable. À cause de cette vie vieille, vous tuez les gens. Ils vont boire champagne, le Seigneur. Tchin, tchin. Le Seigneur lui a dit, tu as tué, puis Dieu va te dire félicitations. Attends. Vous êtes malade ou bien? Mais on voit un peu le degré de possession. Comment les gens sont envoûtés. Comment toi tu vas aller tuer les gens au nom de Dieu? Ça n'existe même pas. Dieu lui-même ne peut pas tuer. C'est toi qui as venu tuer en son nom. Si Dieu veut détruire ce monde, un claquement de doigts, c'est fini. Ou bien, un claquement de doigts, c'est fini. Toi, tu ne peux pas aller tuer les gens au nom de Dieu, c'est faux. Parce que la ville, elle est sacrée. Pourquoi nous, aujourd'hui, on parle aux sorciers? Arrêtez d'emmerder les gens. Parce que si vous voulez faire vos sorcelleries, allez faire vos sorcelleries. Mais emmerdez pas les gens. Parce que la vie est sacrée. Quand vous jouez la vie, c'est pour ça que Dieu ne joue pas les sorciers, Dieu des maths. Parce que chacun d'entre nous a une destinée. Dieu te donne une destinée. Il te dit, voici, il te donne une orientation à ta vie. Et lui vient perturber ça. C'est pour ça que Dieu n'est pas d'accord. Personne n'est né par hasard. Le hasard n'existe pas. Tu n'es pas né par accident. On dit non, tu es accident biologique, tu es né par accident. Personne n'est né par accident. Net veut dire une destinée. Or, dans la destinée, il y a la destination. Elle est glorieuse. C'est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a bien dit. Il a dit, le diable, il attaque ceux qui sont bien. Il n'attaque jamais ceux qui sont... il attaque des bonnes choses. C'est comme ça que Dieu est. Amen. On va bien saisir. Donc, si le diable veut le chuchoter à l'oreille pour dire, il faut te tuer, il faut lui dire pardon. Amen. Amen. Pardon. Tout compte fait, Dieu décantera la situation un jour. Amen. Amen. Regardez les grands hommes de Dieu que Dieu a bénis. Regardez tous ceux que les gens Dieu a bénis. Ils ont vécu des moments d'épreuve. Ils ont vécu des moments d'épreuve. Comment quelqu'un, Dieu dit, parle pour dire,
tu seras élevé sur tes frères. Ils se retrouvent dans un puits. Joseph, la plus grande des trahisons. Il va y parler. Ses frères le prennent. Tes frères qui doivent te protéger te jettent dans un puits pour te tuer. Le puits là, ce n'était pas pour le garder là-bas. C'était pour le tuer. Pour mettre fin à son rêve. Tu marches chez tes frères. Tu penses qu'ils sont sincères à toi. Ils te jettent. Ça fait mal. Il est resté pendant des jours dans le puits. Ils sont venus dire, hé, le rêveur, tu es là? Je suis là. On dit, bon. Il n'a pas envie de mourir. Bon, il ne faut pas que son sang, on le vende, ils l'ont vendu. Il va encore dans la maison de Potiphar. Il était à l'aise. Parce que quand il est rentré dans la maison de Potiphar, la maison commençait à être prospère, bénie. La femme, elle a vu tellement qu'il est joli. Elle veut le. Parce que le monsieur est toujours absent. C'est dangereux aussi, quand on est beaucoup absent. C'est dangereux. Amen. Donc la femme dit, attends. Vous voyez, bonne chose devant moi ici. Au lieu d'attendre mon mari, tout ça, il faut venir mettre pour ma sur mon dos. Je dis, mais Joseph, toi, mais t'es terrible. Quand tu peux rentrer dans la, femme, la chambre d'une femme pour aller mettre pour ma. Elle a dit, tu vas faire aujourd'hui. Et la fille. On va dire non. Il n'a pas. Dieu n'a pas agi. Mais tout ça, Dieu est évident. Je retourne en prison. Prison, la plus grande des humiliations. Tous les nénis sont là. Braqueurs, voleurs, violeurs, tout le monde est là. Tu te dis, mais il pourrait se suicider. Oui. À la fois, voilà, fait la volonté. Donc Dieu, c'est comme ça que tu es. C'est comme tu es. Tu m'as lâché comme ça. Non, Dieu ne l'avait pas lâché. C'est ce qu'il dit aux gens. Tout ce qui vous arrive est un miracle déguisé. Dans la prison, c'était un miracle. Amen. C'est dans la prison là, qu'il allait au palais. Il a été premier, la primature. Il a été premier ministre. Vous comprenez? Amen. Donc, il ne faut pas que les choses vous arrivent, vous allez penser que Dieu vous abandonne. Mais il n'abandonne jamais. C'est ça. Il dit, je ne pourrai jamais t'abandonner. C'est ça le problème. Ne pensez pas qu'une situation que vous vivez peut éloigner Dieu de votre vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Amen. Mais il faut la comprendre. Comprendre que c'est un miracle déguisé. La chose est venue, il faut, tu dis, si c'est elle là, Dieu te donnera les forces pour surmonter ça. Et il y a une leçon. Dieu veut t'enseigner par rapport à ça. Et tu prends courage et tu espères en lui. C'est fini. Le Seigneur continuera de te bénir. Sinon la mort n'est pas une solution. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez très bien que celui qui ne prie pas ne peut rien avoir de Dieu. Même si vous venez à la délivrance, qu'on vous délivre, que vous-même, vous n'avez pas une vie de prière, vous allez donner accès au diable. L'arme la plus puissante qui existe au monde, plus que l'arme nucléaire et tout ça, que nous voyons, c'est la prière. C'est pour ça que la Bible dit que la prière fait bon du juste a une grande efficacité. Amen. Quand le juste prie, il s'agit. Mais le problème, c'est que le diable met en nous, il injecte à nous l'esprit de paresse et de négligence. On préfère dormir que de prier. Le Seigneur nous réveille en réalité. Oh, je suis fatigué. C'est dangereux. Je disais comme ça. La Bible dit n'est plus vue selon la chair, mais de vue selon l'esprit. Nous sommes des esprits. C'est les choses d'esprit, spirituelles qui doivent maintenant nous intéresser. Parce que la Bible dit de marcher selon l'esprit. Or, l'esprit aimerait que tu pries pour posséder beaucoup de choses. Sauf cela que les 4 heures du matin, 3h30, ce sont des heures stratégiques, 4 heures jusqu'à 5 heures. Si vous n'avez pas prié à 7 heures, ne vous attendez pas les bonnes choses au cours de la journée. Amen. Non, non. Ne vous attendez même pas que vous avez. Vous réveillez les 6 heures. Seigneur, mon Dieu, tu es merveilleux. Toute la journée, la nuit, les sorciers ne vont pas manger. Oh Seigneur. Amen. C'est fini. À 4 heures du matin, s'ouvrent les portes de la journée. Les frères musulmans, ils connaissent ça.
C'est la première grande étape de la journée, c'est 4 heures, qu'on appelle l'aurore. Or, l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. Il y a toujours une transition. C'est comme le 31 et puis le 31, le premier, il y a toujours une transition. Le 31 décembre, c'est ce qui fait la transition entre le mois qui est en train de passer, parti, et le nouveau, la nouvelle année. Voilà, c'est le 30e. Et cette période-là, si vous ratez ça, vous n'avez pas une bonne année. Les gens, ils font des réservations dans les bars, les Tony, les Jack Daniel, les Champagne. Ils vont un peu à l'église. Ils passent un peu du temps à l'église. Hein. Bonne année! Quelqu'un m'image. Bon, janvier! C'est moi ce qui m'intéresse. Quand il finit l'éveil, là, je tourne dans la vie pour voir. Et puis il me marre. Le gars, il n'a qu'un niveau. Janvier! Comme ça! Non, l'année a été difficile. Mais tu as mal démarré l'année. Tu es dans caniveau. Demain, donne un WC. On est tous WC. Le gars 18, il est die, il est saoulé. Or, cette période-là, nous devons prier pour que l'année soit bonne pour nous. Parce qu'il y a des programmations. Janvier, février, jusqu'à décembre, chaque mois, le diable programme. Donc, il faut confier. Celui qui est le maître des temps, il faut lui dire désormais. Parce que les gens ils pensent que Dieu est obligé de composer avec eux. Non, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Si nous ne traitons pas avec lui, nous avons des problèmes. Non, quand Dieu m'a donné une nouvelle vie, il faut qu'il parte faire le show. Mais pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi tu ne vas pas dans sa présence? Pourquoi tu vas à l'église? Nouvelle vie, là, ça veut dire qu'il faut aller en bas. Qui donne la nouvelle vie? Mais pourquoi tu ne viens pas devant lui toute une nuit? Vous voyez comment le diable, n'est-ce pas, par sa ruse, arrive à vous avoir. Moi, je ne joue pas le 30e. D'ailleurs, même cette période-là, c'est à partir de... Je gêne toute la journée. Et puis, comme c'est mon adversaire le premier, je coupe mon gâteau, je mange. Mais je ne joue pas avec ça. Parce que l'année qui arrive, je dois être béni. Une année de plus, ça veut dire bénédiction. Or, si tu ne sais pas gérer ça, mais tu vois une mauvaise année. Alors, cette année a été difficile, mais tu as démarré ça comment? C'est ça que la Bible dit. Si le fondement est renversé, le juste, qui fera-t-il? Amen. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas jouer ça. Donc, la journée, parce que le 30e est important, c'est comme ça l'aurore. À partir des 4 sous. Les sorciers, ils travaillent. Hein? Mais à un moment donné, ils vont commencer à stopper. À partir de 3h30, ils commencent à arrêter. 3h30, parce qu'ils ne peuvent pas opérer, agir à partir de 4h. S'il a essayé, il reste là-bas, il meurt. Il reste là-bas. C'est cela que la Bible nous dit. Écoutez, dans Psaume 119, le verset 147. Chapitre 119, le verset 147. Je reviens un peu, c'est déjà une révision, beaucoup de gens savent déjà. Mais une révision, ou bien pour d'autres qui ne savent pas, un enseignement ce matin. Le psaume 119, le verset 147. Vous allez comprendre un peu. Il y a les heures, écoutez, il y a les heures stratégiques de prière. À partir de 4 heures du matin, un ange important vient se poster devant votre maison. Parce que chaque enfant de Dieu a un ange qui le suit. Amen. Peut-être que vous ne savez pas. On nous enseigne l'angéologie. Les gens disent, mais je dis, mais où passez le temps? On passe le temps en train d'enseigner la démologie et l'angéologie. On enseigne ça à l'école théologique. Donc, à partir de 4 heures, il y a un ange qui est posté. C'est cela que l'ange a dit à Jacob. Pardon, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. Il dit, mais c'est à l'aurore, on bénit. C'est l'aurore la même là que moi j'attendais. C'est à l'aurore. Il dit, laisse-moi partir parce que l'aurore arrive. Il dit, moi, tu as menti. Et c'est à l'aurore qu'il a eu toute la grâce. Vous comprenez? Donc il y a des choses quand vous négligez, c'est pas bon. C'est pour cela que tu dois être un homme d'esprit. Une femme d'esprit. Amen. Une femme qui donne beaucoup d'importance aux choses spirituelles. Amen. La seule chose qui fait que le diable arrive à t'avoir, la négligence.
Or, la spiritualité a horreur de la négligence. Le diable vous injecte ça. Ok, allons-y. Il va lire, le pasteur va me dire ça. Oui, il a son parole de vie, c'est très bien d'ailleurs. Psaume 119, verset 147. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Amen. Ça, c'est la parole de vie, c'est beaucoup de versions. Il dit avant le lever du soleil. Très bien. Regardez la version lui second. Psaume 119, verset 147. Je dévance le roi. Il dit, je dévance le roi. Et je crie. Et je crie. J'espère en tes promesses. J'espère en tes promesses. Amen. Il dit ici, avant le lever du soleil. Amen. Ici, l'aurore. Il dit, je dévance, c'est-à-dire précéder l'aurore. Avant que l'aurore n'arrive, parce que l'aurore, c'est 4 heures. Il dit, je dévance l'aurore. L'aurore, c'est à 4 heures. Donc, lui, il précède déjà l'aurore. Avant que l'aurore, c'est à 4 heures. Donc, si tu veux dévancer l'aurore, c'est à 3h30. Vous comprenez? C'est à 3h30, je dévance l'aurore et je prie. Or, à cette période-là, le sorcier commence à travailler à partir de minuit. Il commence à travailler. Ok? Il commence déjà à travailler à partir de minuit. C'est ça, quand vous êtes dans. Quand vous savez que vous n'êtes pas trop fort en prière, quand vous allez peut-être au village, parce que les gens pensent que souvent c'est au village, il y a trop de sorciers. Les gens pensent que trop. Mais quand vous voyez trop d'attaques, à partir de minuit, réveil. Ah ouais, minuit, ne dormez plus. Priez jusqu'à 4 heures. Priez jusqu'à 4 heures. Si vous avez vu quelqu'un, vous avez entendu, je sais qui est mon sorcier, et puis il vit. Je sais. Bon, si vous savez vos sorciers, là, hein, après la prière de ce matin, écrivez-moi les noms sur les bouts de papier, déposez ça au secrétariat. Mettez vos noms là-dessus. Mettez en gaillard en rouge. Voici celui qui veut me manger. Voici mes mangeurs. Mets son pluriel. Puis déposez. Devant vous, je vais régler ça en semaine. Amen. Donc il dit, je précède l'aurore. Ça dit quoi? À partir de 3h30, vous levez. Eux, ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font comme boulot? Ils font la programmation. C'est tout. Ils appellent ton arbre. Tu ne dois pas te marier. Et puis tu donnes avec précision dans leur agenda la date auxquelles ils doivent venir gâter ton mariage. Ils te donnent avec précision. Et ils sont très organisés. À 4h, à 10h, sur telle autoroute, comme je sais, il doit passer par là. Il faut qu'il y ait un accident. Le hasard n'existe pas. Donc, il programme tout ça. Ok. Donc, nous, les chrétiens, on a le pouvoir de la déprogrammation. La vie, c'est une question de programmation et de la déprogrammation. C'est tout. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Pendant que toi, tu te lèves, tu remercies d'abord le Seigneur, c'est vraiment très important. Et après, tu commences à déprogrammer la mort. Tout ce qui a été programmé par le diable sur ta vie, tu déprogrammes. Amen. C'est tout. Simple et ça. Je déprogramme tout ce qu'ils ont fait sur moi, mon mariage, ma vie, tu déprogrammes. Maintenant, toi-même, tu programmes. Tu as ce pouvoir. Parce que la Bible nous dit, dans Esaïe 54, verset 15. Si quelqu'un forme un complot contre toi, ça ne viendra pas de moi. Mais tous ceux qui se lieront contre toi tomberont sur ton. Or, quand vous lisez l'évangile de Jean, le premier chapitre de Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et rien n'était fait sans. Donc utilise maintenant cette parole pour programmer toi-même ce que tu veux. C'est tellement simple que ça. J'aimerais qu'au cours de cette journée, qu'il y ait la paix. Au cours de cette journée, n'est-ce pas, la prospérité. Il faut que tu me fasses rencontrer les gens qui vont m'aider. Pas les gens qui vont me faire pleurer. Ah, c'est ça, c'est important. Il y a les gens que vous rencontrez, vous pleurez seulement. Comme si vous travaillez, vous savez. Pleurez seulement. Or, il faut qu'il y ait des rencontres. Si Dieu veut te bénir, il va utiliser quelqu'un pour te bénir. Amen. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des rencontres prophétiques. Voilà. Donc, moi, c'est ma prière. Il faut que Dieu m'envoie les gens pour me bénir. Je vais être béni. Quand vous finissez tout ça, c'est fini. Là, ce que vous avez dit là, l'aurore prend ça.
Et puis tout ce qui a été programmé, il enlève. Vous comprenez? Or, si tu n'as rien fait, ça va venir. Parce que c'est une transition. Comme ils ont fait, c'est parti dans le fichier. À telle heure, tel mois, tu dois mourir. C'est fini. Sauf cela que celui qui prie, qui a une bonne vie de prière, ne succombe pas aux œuvres du diable. Non, je vais vous dire. C'est la Bible dit, dans Corinthiens, les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand vous parlez, les forteresses tombent. Tous les murs sont obligés de tomber. Amen. C'est clair et net. Tu as une âme en toi. Parce que les gens ne savent pas. Ils ne connaissent pas leur, n'est-ce pas, la présence de Dieu, on ne sait pas qui ils sont réellement. Leur droit dans le Seigneur. Ah oui? Pas question de demander au Seigneur les choses que lui dit. Il dit, mais c'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Ah oui? Tu es mon père. C'est pas moi. C'est toi qui as dit de tête. Ma chérie comme ton fils. C'est mon droit d'avoir ça. C'est mon droit d'avoir ça. Toi-même, tu l'as dit, qui d'entre vous donnera-t-il un scorpion à son fils? Si lui demande, tu fais, c'est mon droit à moi. Parce que je te fais confiance. Tu as tout. À moins que ça ne soit pas le temps. Mais j'ai besoin de ça. Puis je note. Ça va venir. Et souvent, Dieu voit que ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps. Mais c'est ton droit. Donc, tu es enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce que Christ nous a rachetés. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt moi qui vous ai choisi. Amen. Pour vous, Amen. C'est établi. Amen. Pas établi dans le malheur. Vous établi dans la gloire. Nos vies doivent refléter l'image de Dieu, la gloire de Dieu. Ce dont les gens attendent aujourd'hui, c'est de voir Dieu aller dans notre vie, c'est tout. Sinon, le reste, là, c'est l'économie. Je prends ma Bible, je parle la langue. Je parle la langue, je suis chrétien. Je parle la langue. Ça ne fait rien aux gens. Quand vous allez commencer à changer de voiture, quand vous allez commencer à prospérer, quand vous allez commencer à avoir l'argent, les gens vont commencer à s'intéresser à vous. Si tu es pauvre, en quoi Dieu est glorifié dans la pauvreté que tu as? Amen. Moi, quand je me lève matin, le démon que j'attaque, c'est la pauvreté. C'est un démon. Si on ne pense, c'est un démon. Quand quelqu'un est pauvre, il peut être sorcier. C'est vrai. Si il n'y a pas l'argent, c'est quelle fois tu vas aller prier? Quand tu dis Seigneur, tu dis oh. C'est pour ça que la Bible dit que Christ nous a rachetés, n'est-ce pas? Il nous a libérés. De riche qu'il était, s'est fait pauvre pour qu'en lui, nous soyons enrichis. Amen. C'est pour ça que nous sommes condamnés à la richesse. Yes. Amen. C'est pour ça qu'il faut entreprendre, pour faire des affaires. C'est important. Ça n'appartient pas à la franc-maçonnerie, l'argent. L'or et l'argent appartient à Dieu. Lui, il a l'or et l'argent. Et toi, tu es son enfant. Et puis, tu n'as pas. Le jour où il n'y a pas l'argent, tu as problème. Pensez, tu vas avoir. Ça serait grave. Poussin, il va t'attraper. Vous gérez le bien violet. Hein? Il va compter 5 pour dire, voyez ça. Vous laissez ça faire de Jésus. Vous laissez. Jésus n'a même pas longtemps, il est pas. Tiens. Tu vas le suivre. De la tienne, ton caisse, 25 000 francs, ton petit studio. L'autre 25 000 francs, tu es sûr, il prend un petit sac de riz de 5 kilos, un peu d'huile qui mange pour manger. Il te montre ça. Clin, 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 clin. Tu as dit au Seigneur, s'il te plaît, pardon, ma chair est trop faible, tu sais bien. Moi-même. Cherche-toi un esprit, hein. Et mon corps, là, tu vois, non? Mais c'est des 50 000 là, à pied. C'est pour ça qu'il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Et si vous ne bénissez pas, vous serez tenté. Vous allez succomber à la tentation. Dites-lui la vérité. C'est votre papa. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est pauvre, qui est honnête? Depuis quand vous avez vu ça? Depuis quand? Pourquoi les grands, les politiciens arrivent à attraper les gens? C'est l'argent. C'est l'argent. Toi, c'est qu'il ment. Il ment. Tu dis, oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est la vérité. Oh, tu es convaincu, c'est un menteur. Toi, il disait, il ment. Mais l'argent. Oui.
C'est trop. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Qu'on ait la vérité dans nos bouches. Quelqu'un a l'argent, tu vas le courant comment? Amen. C'est pour cela que quand vous levez le matin, et anéantissez tout ce qui viendra vous appauvrir. Anéantissez tout ce qui viendra vous détruire, vous humilier. Amen. C'est votre droit d'avoir du travail. C'est votre droit d'avoir du travail. Vous devez parler. Le travail doit venir. Parce qu'il dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc à partir de 4 heures, là, 3 heures, parlez tout ce que vous voulez. Que vous ne savez pas au cours de la journée, ça va venir. Parce que la parole est une sémence. Amen. 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 La parole est une sémence. Allons-y dans Luc 4. Le verset 14, je vais lire. Marc. Ah, c'est Marc. Marc 4, autant pour moi. Marc 4, le verset 14, je crois. Écoutez, vous allez comprendre. Si tu veux avoir une poche, tu veux avoir une entreprise. Moi, je rêvais d'avoir une voie de communication. Donc, chaque jour, je parlais. Je dis, je dois avoir une voie de communication. Tous les jours, je parle. Je dis, je possède la voie de communication. Je dois avoir cette voie de communication. Je parle tous les jours. Et si je rentre en possession, si vous ne rêvez pas, si vous n'avez pas les choses dans la tête, ça ne va jamais s'accomplir. Pour que Dieu, le Dieu change le nom d'Abraham. Abraham, il n'avait pas d'abord un enfant. Isaac n'était même pas encore né quand Dieu lui a demandé de rêver. Ah oui, il faut rêver. Il n'est pas d'aller dormir. Brrr, yololololo. Lui, le prophète dit, il faut rêver. Aujourd'hui, il n'est pas encore bien rêvé. Seigneur, donne-moi un rêve. Non, c'est la vision que tu as de ta vie. Ce que tu veux être demain, ce sont un rêve. La vision. Allons-y. Marc, le chapitre 4, verset 14. Et le semeur sema la parole. Et le semeur sema la parole. Je dois me marier. Au cours de cette année 2018, c'est l'année de mon mariage. Amen. Tous les 4 heures, tu parles. Au cours de cette année, fur et à mesure que tu prononces, c'est une sémence que tu es en train de mettre en terre dans le monde spirituel. Ça va forcer moi ça. Eh monsieur, je suis en pleine prédication. Ok. Amen. Amen. Vous avez compris? Dans cette période, c'est le rôle, c'est vraiment très important. Et ils programment, ils font les choses, la programmation, et nous venons nous déprogrammer. Nous sommes plus puissants que Dieu. C'est ça que tout ce que vous liez sera lié, tout ce que vous déliez sera délié. Donc ce prêtre nous dit, si tu n'as pas raté 4 ou 5 heures, ce n'est pas la peine. Oh, c'est là la même. Sommeil est sucré. Sucré en plus que miel. Les disciples ont regardé Jésus. Seigneur, il dit Pierre, Thomas. Seigneur, on est en toi en l'esprit. Tu priais, elle était là. La chair faible. Jésus dit priez. Sans cesse, afin de ne point tomber en tentation. Amen. Priez sans cesse afin que les choses n'arrivent pas. Et quand vous regardez un peu la vie que Jésus-Christ avait dans sa vie de consécration, il priait toutes les nuits. Étudiez un peu la christologie. Jésus priait toutes les nuits. C'était sa stratégie. Il priait toutes les nuits. Parce que les forces des ténèbres travaillent beaucoup la nuit. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans un combat, il doit avoir. Je n'ai pas dit ne pas dormir. C'est normal qu'on se repose. Mais à 3h30, lève-toi. Lève-toi. Tu as juste une heure, de 3h30 à 5h du matin. C'est fini pour régler beaucoup de choses au cours de la journée. Nous allons toucher notre verset dans Job 38 à partir du verset 12. Job 38, le verset 12, pour comprendre beaucoup de choses. Amen. Si tu veux avoir une promotion, c'est là. Je dois être le meilleur là. Dans cette entreprise, je dois être le meilleur. Je dois être le meilleur. Tu dois avoir une différence entre moi et les gens du quartier. Ce n'est pas un péché. Tu ne fais que répéter ce que la Bible a dit. Dieu dit,
il mettra une différence entre toi qui le sais et celui qui ne le sait pas. C'est tout. Or, Dieu ne fera que réaliser ses promesses dans toute ta vie. C'est tout. Il faut qu'il y ait une différence. S'il n'y a pas de différence, ils n'auront jamais te suivre à l'église. Jamais vont te suivre. C'est la même chose. Vous ne pouvez pas causer, vous jouez dame, vous jouez lido ensemble, vous jouez à Wallé. C'est la même chose. Ah, mais c'est. On avait déjà donné 500. Toi, tu dis, tu parles en langue. Il n'a rien dans ça, dans les moyens Gaba. Ah, bien, c'est comme ça. Ah, le Gaba, il est terrible. Le Gaba, c'est la tchéqué, un poisson tombe bizarre façon. Il y a pour les femmes, puis il y a Gaba. Voilà. Tu as mangé ça, tu es à l'aise. Si tu veux jusqu'à 18h pour faire le dîner, sinon tu es à l'aise. Et puis, tu dis, Jésus est merveilleux. On ne voit pas en toi une source de bénédiction. Dis au Seigneur, je fais de moi une source de bénédiction. C'est ce qu'il dit aux gens. Vos histoires de prêcher dans la rue, c'est révolu. Les gens n'attendent plus ça. Jésus, ça ne les intéresse plus. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Ton témoignage. Ton témoignage. C'est ça qui va approcher les gens. S'il vous plaît, priez de telle sorte que la pauvreté disparaisse. Amen. Les juifs disent, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie d'un être humain. Or, la prospérité, c'est quand Dieu est présent, il te donne tout, ce dont tu as besoin. Amen. Tu peux ne pas avoir des milliards, mais tu as envie d'avoir une voiture, tu as la voiture. Tu as envie de manger l'hamburger, tu manges. Comme nous, ça ne nous intéresse pas, nous, c'est sans grain et du crédit. On mange ça. Mais pourquoi est-ce que ça? De temps en temps, on fait petit malin, mais moi, c'est sauce africaine que je mange. C'est ce qui m'a fait grandir. J'ai toujours dit aux gens, le jour où j'ai laissé sain de ma maman, c'est rire, ils m'ont donné. Faut pas venir en désordre ma tête. J'ai grandi dans ça. Pizza, là, c'est pas bon pour mon sang. Mais de temps en temps, je mange. Mais c'est pas ça qui m'a fait grandir. Ce sogré et du crédit. Ou bien doublé. Et la Kali, il y a Koulou dedans. C'est tout. C'est pas manger. Tu as mangé pizza. Si moi, il mangeait Koulou et la Kali, on est tous dans la vie. Puis il est bien dormi que toi. Faut donner un villageois salade pour lui, va dormir. Salade, viens va dormir. Il va pas dormir. Il n'y a pas de moyen foutu le soir pour aller dormir. Quand on met sous régime, ça là. Non, on dit non, régime. Il va se réveiller la nuit. Vous rigolez les mamies. C'est la vérité. Le corps habitué à ça. Toi, lui dis non, vous mangez salade. C'est ce qui est bon pour toi. Ouh, il ne va pas écouter. Il va faire. Mais la nuit, quelque chose le réveille. Il va tourner dans la cuisine, aller bien manger pour dormir. C'est là qu'il va dormir. Voilà. Mais son temps a besoin de ça. Quelqu'un qui est né dans faire des sauterelles la nuit pour dormir. Sinon, il faut faire du sport. Sinon, c'est bon de manger un peu le soir. Hein. Mais le noir, on est habitué à ça. On est habitué à manger beaucoup. Parce qu'on dépense beaucoup. Un villageois, vous ne savez pas quelle énergie dépense la nuit, le matin. Il fait déjà 20 km à pied pour aller au champ. Il nettoie là-bas. Donc, il faut qu'il mange. Bon, sinon, manger tard, c'est pas bon. Voilà, on nous a conseillé que c'est pas bon, mais on fait comment? Salade, là, on n'est pas habitué à ça. Faut donner aux gens salade ici, vous dites. Donc, à moyen salade, ils vont fuir l'église. Vous les dites des moyens salade, ils vont fuir. Salade, bon, les moyens secrets. Amen. Vous dites, il faut que Dieu nous bénisse. Et quand si Dieu, tu es béni, c'est ce que les gens entendent. Les gens veulent voir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'ils entendent, c'est ce que les gens entendent. Toi, tu viens parler de j'ai un problème de temps, et puis un possédé parle aussi de ça. Mais en quoi Dieu est glorifié dans ton témoignage? Amen. Il y a des choses qui ne doivent plus exister. Quand Jésus dit tout accompli, c'est ça, tout accompli. Amen. C'est pour cela qu'il faut que vous priez.
Tu dois parler à ta vie. Moi, je parle à ma vie. C'est une... La parole est une semence. Je parle à ma vie. Je dois devenir ça. Ce que tu dois devenir dépend de toi maintenant. Vous comprenez? Parce qu'il t'a tout donné. Il t'a donné le pouvoir. Donc, ça dépend maintenant de toi. Si toi, tu vois ça en mal, c'est le mal qui va venir. Moi, je vois en Jésus en bonne chose. Hein? Donc, je pars sur ma vie. Si tu penses que tu n'auras pas de mariage en Jésus, mais tu ne seras pas marié. Donc, je pars. Quand je me lève à 3h30, 4h, je parle à ma vie. Je dois me marier. Je dois venir. Je dois avoir ça. C'est mon droit. J'ai vu quelqu'un, un artiste, qui a eu un jet privé. Il a un jet privé. Là, nous, on va tous avoir un jet privé. Pour aller prêcher l'évangile. Lui, prend un jet pour aller faire concert. Nous, on prend un jet pour aller prêcher. Amen. C'est pas un péché. Les gens disent, ah non, il ne faut pas aimer les choses. Il faut aimer les bonnes choses. Moi, j'aime les bonnes choses. Je suis désolé. J'aime, oui, c'est joli. C'est ça. Il faut me loger dans un coin bizarre, il y a des visées. Amen. Ce n'est pas un péché. Le ciel, là, c'est en or, là-bas, là. C'est or massif. Dans le luxe sauvage qu'on va vivre. Ce n'est pas un péché de vivre dans un luxe. Ce n'est pas un péché. Amen. C'est les diables là, qui vivent dans, dans la saleté. Les petits chers. C'est ce qu'il dit, les soeurs, si vous ne vous habillez pas bien, qui va vous prier que le Seigneur vous envoie. Ah, mais pour marier quelqu'un, tu regardes d'abord le design. Tu es malade, tu vas regarder. C'est le design qui regarde, tu vas t'appuyer d'abord. Tu t'as dit, Seigneur, là c'est convoitisme. Seigneur, la fille, là. Seigneur, mais c'est comme ça. Si tu t'habilles mal, jupe arrive jusqu'au bout là-bas. Cheveux attachés, tu ne portes pas bout d'oreille. Tout est gnani, gnani, t'as les cheveux. Tout est sang. Qui va te regarder? Qui? Tu es un frère en Christ, tu ne fais pas pédicure, tu ne fais pas manicure. On voit, les filles maintenant elles sont terribles. Elles vont regarder tes doigts. Quand il y a des gens, même leurs doigts là, c'est sale. Tu es mécanicien ou bien? Quand on dit ma soeur en Christ, l'odeur qui sort de ta bouche est importante. Si ton gars, ton totem, ah, tu as raté le truc. Regarde ce brosse. Tout ça, c'est important. Tu vas, j'ai dit aux gens, depuis quand vous avez vu quelqu'un qui dit non, j'ai prié, et puis la soeur est quittée chez nous, chez elle à la maison, elle est venue frapper ma porte pour dire, oh le frère en Christ, le Seigneur m'a touché. Ça, c'est envoûtement. C'est de l'envoûtement. Quand tu pries, le Seigneur doit t'ouvrir les yeux. C'est ce que tu aimes que Dieu te donne. Amen. Désolé. Maintenant, après les designs vont venir. Le cœur, sinon le cœur est important. Mais, il y a les petites choses que tu veux. C'est ça qui va t'attirer d'abord. Ah oui, c'est important. C'est ce qui dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ce que mon cœur désire, tu devras pas m'envoyer. Amen. Si mon cœur ne désire pas, je vais convoiter. Amen. Si vous ne vous rendez pas belle, vous allez perdre beaucoup de choses. Non, je suis en jeûne et prière, je jeûne. Il ne va pas venir. Tu auras un ennemi. Après, jeûne, il faut t'habiller bien. Il faut t'habiller. Il n'est pas dit d'aller séduire. Non, habille-toi bien. Beau parfait sur toi. Bien habillé, bien se brosser, bien se coiffer. Bien habillé. Tu vas voir. Dieu va révéler ça à un frère de l'église. Vous dites la soeur. Et puis si tu commences à travailler à là, tu vas commencer à avoir beaucoup de frères qui vont commencer à te piper. Vous ne laissez pas. Ça dit, mets-toi dans les conditions pour que Dieu te bénisse. Amen. Quand vous sortez, vous ne voyez pas comment les gens s'habillent. Vous passez l'église, on est moine ici ou bien. On a qu'à voir un truc bizarre. Souvent, il y a les gens qui disent, toi, tu t'es sur quelle planète? Passez habillement comme ça, là.
1960 là, ils n'ont pas, compté ça. Tu les regardes, ça peut les souliers. Tu les regardes. Pourquoi tu veux porter Kawé sur souliers? C'est quel style? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, sœur, regarde télévision. Ah, regarde télévision, ça. Comment les gens s'habillent? Les prêts du corps, il faut être bien. Dieu, là, c'est bien. La tenue de Jésus, là, ça a été discuté. Regarde, il est porté. On prend sa tenue, chacun veut prendre. Si c'était des valeurs, c'est pas un péché. Pourquoi nous les chrétiens, on est bizarres? Ah non, c'est cher, mais c'est cher là. C'est un péché. À quoi c'est péché? L'or à l'argent appartient à qui? À Dieu. Bon. Ça dit que tu as ça, tu as son héritier. C'est quel péché? Que Dieu nous aide. Amen. Souvent, même vous mettez l'obstacle à vos mariages. Amen. Vous savez, quand le monsieur sort, quand il tourne dehors, ah, il reste là-bas. Faites bien. Il va rester. Sinon, si vous voulez faire façon, ah, la petite là-bas, le, va le prendre là-bas. Alléluia, que Dieu nous aide. Donc, il y a les petites conditions. Après la prière, il y a les petites choses bien. Tout ça. Il n'est pas d'aller séduire le frère, mais il faut être bien. Si un frère, avant de t'approcher, il va d'abord te convoiter. Voilà. Il va te disputer, il va regarder, il y a des petits designs qui vont l'attirer d'abord. Avant de chercher à avoir le cœur, il va commencer à voir d'abord. Il y a des choses qui vont le piper un peu. Ça le pique. Maintenant, après ça, le cœur va venir pour dire, ah, donc ça, c'est très bien. Le design, il voulait là, c'est ça. Et puis le cœur, bon, gloire à Dieu. Sinon, le cœur est important aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Brosse-toi, frère. En Christ, brosse-toi. Il faut changer de look. Il faut changer de look. Ton chocoto, il faut changer. C'est 500 francs. Moi, j'ai dit aux gens ici, j'ai dit, mais comment tu peux te laver à Kabakou? Tu te laves à Kabakou, c'est tous les démons qui vont te suivre. Vous ne connaissez pas Kabakou? Je vous explique. Je vais vous expliquer à faire les Kabakou. Je vais expliquer Kabakou. Vous voyez pas Kabakou? Non, je suis en train. Voilà. C'est savon que les gens fabriquent. Nos mamans, assez de potasse. Or, une personne qui utilise Kabakou, ses ongles vont rapidement. Ceux qui prennent Kabakou, vous l'avez assez. Regarde les filles du lazo. Les ongles sont de toucher de l'acide. C'est pas fait pour le corps. C'est pour ça que savon les soivants des toilettes et savon les lessives. Toi, tu l'as pour assiette. Qu'est-ce qui va te suivre? Pas mouche va te suivre. C'est ça, papa. On dit que la c'est pour laver assiette. Toi, tu prends ce pour aller te laver ton corps. Qu'est-ce qui va te suivre? C'est mouche. Ça, il faut dire, parce que c'est écrit là sur lui, c'est le produit qui est dedans, là. C'est fait pour laver assiette. Toi, tu n'es pas assiette. Et ce savon là, c'est fait pour les pour toilettes, c'est-à-dire on doit se laver avec. Donc si tu laves, ça va t'arranger. Or, si tu laves avec Kabakou, ça va te détruire. Ta peau, ça va tout détruire. Qui va te suivre? Quand les gens comprennent, bah, c'est 50 francs ou c'est 100 francs. Comme c'est moins cher, or ce qui est moins cher a problème dedans. Moins cher, moins cher. À la vieille, mais regarde. Allez, regarde. Ouais, je suis en train de briser les choses.
Dieu peut nous donner l'argent du bon savon. Amen. Voilà. Pourquoi vos esprits là, c'est Kabakou savoir. Pourquoi? Il faut être bien. Le Kabakou, la monsieur qui utilise ça beaucoup, ça détruit les doigts. Comment une femme qui a des doigts, on donne les plus. Moi, j'envoie ça dans ma maison, je suis malade. C'est la vérité. Quand tu as une femme, tu la présentes, tu es fier. Mais elle a les doigts bouffés, on donne les plus. Ça, déjà, son dossier là, ça a étudié. Il faut qu'il y ait un miracle. Il y a des choses qui font miracle, et puis il y a des choses qui font miracle. Tu as rempli les conditions, ça va venir. Amen. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen. Voilà, que Dieu nous fortifie. Il faut que l'église, comment on vous enseigne, il faut qu'on vous enseigne ça. Les gens, ils voient, ils pensent qu'avec l'église, là, c'est gnéni, gnéni. En tout cas, ça habille, chemise, on est langue de chat, c'est l'homme, colère large, tout est mangé ici, ceinture là est mangée, tout est, tu le regardes même, pantalon là, il n'y a plus de jus dedans. Tu ne vois que jus, c'est-à-dire, ceinture est finie. Tu ne vois que cuisse là même. Faut enseigner ça aux gens. C'est votre apparence qui va attirer d'abord les gens. Qui va permettre aux gens de commencer à parler avec vous. Dieu n'a pas dit c'est la sanité, Dieu c'est la propriété. Amen. Amen. C'est clair. Comme dit la sanctification, Dieu les selle. Le cœur et puis le corps. Lavez-vous le soir. Amen. Ça c'est le problème des garçons. J'ai lavé le soir. On est Tarzan. L'esprit s'est lavé le soir. Amen. Pour le poursuivre, matin c'est là, mais la nuit, tu ne gagnes pas. Que Dieu nous aide. Non, maman, Yako. Yako. C'est pour ça que souvent derrière le corps, il y a des tri. Date. Quand tu ne te laves pas trop, il y a date qui vient. On est FSI. Il y a trois couleurs, date. Vous regardez derrière le dos des gens. Bon, regardez. Vous allez voir date. Ceux qui ne se lavent pas le soir, là, ils ont date derrière le dos. C'est... Parce que là, tu as transpiré, c'est des bactéries. Il faut expliquer ça aux gens. Puis tu vas avoir une autre odeur. Tu dis, mec, parfait, ça c'est mélangé. Ça dit, comme qu'on a Aruna. Vous connaissez pas Aruna? C'est les Aouchas qui ont ça. Que Dieu nous aide. Amen. C'est les états dans lesquels je n'ai pas entré. Le parfum, là. Ça peut donner cancer des narines. Vous savez, lui, il a ça au carrefour là-bas. J'ai déjà l'odeur ici. Amen. Que Dieu nous aide. Soyons propres. Soyons bien. Après la prière, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Amen. Nous prenons Job. Job, nous restons toujours dans l'esprit. Job 38, à partir du verset 12. Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Il dit, depuis que toi tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? C'est-à-dire, est-ce que tu as une fois donné des ordres au matin? La journée, est-ce que tu as une fois parlé? Tu as donné des ordres à la journée? Parce que la journée attend ta parole. Est-ce que tu as parlé à la journée? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré la place à l'aurore? Tu dois dire la journée qui commence là. Voici ce que je veux au cours de la journée. Tu n'as pas montré. Oui. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Très bien. Donc, si tu ne parles pas, si tu ne ordonnes pas, si tu ne fais pas les choses, mais tu es mal barré. C'est pour dire par moment, la chose est dans notre camp. Quand vous lisez dans Job, chapitre 38, est-ce que tu as une foi? Tu te plains parce que tu as une mauvaise journée. Tu te plains parce que tu as une mauvaise journée. Mais est-ce que tu as une foi parler au matin? La Bible dit, Job 38, verset 12, est-ce que tu as une foi parler? C'est pour ça que c'est important. Il faut ordonner. Amen. Amen. C'est pour ça que c'est important à partir de 3h30 jusqu'à 4h, 5h. Les 1h30 minutes là, c'est important pour la prière. Donc, ayez une vie de prière. Le diable programme, vous déprogrammez. Vous pouvez même vous asseoir, commencer à parler. Tu parles comme si tu as parlé à quelqu'un. Tu déprogrammes la journée, tu parles, tu déprogrammes. Ton enfant est devenu bizarre, tu parles. Il faut que ma fille qui est tant, ou même mon fils qui est tant, devienne normal.
Amen. Au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que tu parles, ne vois plus le négatif dans la vie de ta fille, l'idée de ton fils. Vois maintenant le positif. Parce que c'est important. Quand tu finis de prier, c'est vrai que tu ne vois pas la chose, mais les choses sont en train de faire dans le spirituel. Parce que tu es un homme selon l'esprit. Pourquoi nous autres, nous sommes chrétiens? Parce qu'on est, on croit au règne des cieux. Tu n'as pas vu là-bas? Mais quoi tu crois ça? Qui vit ça? C'est comme ça. Pourquoi vous ne vivez pas le changement? Pourquoi ce n'est pas en vous? Pourquoi vous ne croyez pas que les choses doivent changer autour de vous? Croyez à ça. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, voici un peu ça. Quand vous continuez de prier, même si vous ne voyez pas la chose continuer, mais proclamez les bonnes choses autour de vous, vous allez voir que les choses vont commencer à s'accomplir. Si vous avez des choses négatives, des choses, il ne faut jamais attraper ton menton au matin pour dire, hé hey Dieu, viens faire quoi? Puis tu commences à pleurer. C'est un danger. D'autres mecs, ils veulent prier l'homme, l'âme ou la même temps. Moi-même, je suis ministre des gens. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Un homme comme ça, Dieu ne va jamais plus t'écouter. Dieu ne va jamais. On dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. On va bien saisir. Amen. Vous ne devez pas pleurer. Il faut continuer. Avec Dieu, c'est toujours l'espoir. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire à ton miracle. Amen. Il faut toujours croire ce miracle. Tu veux que ton mari change, il faut croire ce changement. Amen. Tu veux que ta femme change, il faut croire. Tu veux que ton fils change, il faut croire ce changement. Tu veux avoir un miracle, tout dépend de toi. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Vous comprenez? Non, le juste, c'est pas. Ce qui fait vivre, ce n'est pas son argent. Il dit, et le juste vivra par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Donc, il faut vivre. C'est ta foi là qui est ton compte bancaire. C'est ta foi qui est tout. Même s'il n'y a pas l'argent, vis ta foi. Vis là. Parce que tu n'es pas un homme selon la chair. Tu es un homme d'esprit. Dieu est l'esprit. Si tu rentres dans les choses de chair, tu ne vas jamais voir Dieu agir. Même si tu n'as pas, tu crois que Dieu fera des choses encore. Amen. C'est ça. On va bien saisir. Amen. Ok, que Dieu bénisse. Amen. Amen.